Salut tout le monde, une vidéo sur Pearl Buck, Vent d'Est, Vent d'Ouest, un roman à lire, intimiste, il commence comme ça. Je puis vous raconter ces choses à vous, ma sœur. Alors même si vous n'êtes pas sa sœur, c'est excellent. Ça se passe en Chine dans les années 1920. Et donc à cette époque-là, dans les familles, chez les notables en tout cas, c'était des mariages arrangés et donc Quay est promise en fait en mariage à un jeune homme qui est parti étudier aux États-Unis et quand il revient, il veut s'affranchir de toutes ses obligations, il veut sa liberté, il veut pas d'un mariage arrangé. Bon, il se marie quand même. Au début, il aime pas trop sa femme. Enfin, c'est l'impression qu'elle a en tout cas. Elle ne le comprend pas. Et son amour est tellement fort pour cet homme qu'elle va finir en fait par essayer de le comprendre. Et elle est prise entre ce jeune homme qui veut se libérer du joug de la tradition et sa famille, son père notamment et sa mère. Elle a un frère qui lui aussi est parti étudier aux États-Unis. Et quand il revient, en fait, il s'est marié là-bas avec une Américaine. Donc le thème central, en fait, de ce roman, c'est le poids de la tradition et les relations familiales. Donc Pearl Buck, c'est une romancière américaine, sino-américaine, parce que les Chinois la considèrent comme une romancière chinoise. Elle a vécu là-bas et donc elle a eu le prix Nobel de littérature dans les années 30, notamment pour ce livre, et elle en a écrit d'autres que j'ai pas lu mais que je vais lire parce que celui-là je l'ai adoré. Pour vous dire, je l'avais lu il y a un petit moment et je l'ai repris pour cette vidéo et je me rappelais qu'elle avait une maîtrise des temps qui était assez marquée. Et effectivement, et je vous ai sélectionné deux trois passages, on va voir ça. Prenez le temps de lire, je vous ai mis les verbes en rouge et vous verrez qu'elle change de temps très souvent. Un soir, 15 jours après notre arrivée dans la nouvelle maison, donc elle est avec son mari, ils se sont mariés et ils sont dans le salon et elle découvre au fur et à mesure en fait tout ce que lui a appris de son voyage aux États-Unis. Et au début, ça la choque, elle ne le supporte pas. Et elle fera l'effort par amour, de le comprendre. Il lisait un de ses grands livres lorsque j'entrais. Alors, cas d'école, imparfait, il lisait lorsque j'entrais, passé simple. Donc là, rien de révolutionnaire. Il lisait un de ses grands livres lorsque j'entrais et, allant à ma place, je vis sur la page ouverte l'image d'une forme humaine debout, mais, chose horrible, sans peau, seulement la chair sanglante. Donc vous remarquez que j'ai mis un temps, enfin j'ai exagéré un peu, mais effectivement j'aurais mis une virgule après le mais. J'en fus révolté, m'étonnant qu'il pût lire semblable littérature. Cependant, je n'osais pas le questionner. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a de l'imparfait, du passé simple, on a un participe présent, on a un imparfait du subjonctif, qu'il pût lire semblable littérature. J'étais là, assise, dans un de ces curieux fauteuils de gens, sans m'appuyer au dossier, car se laisser aller ainsi en public eût été un manque de dignité. J'avais la nostalgie de la maison de ma mère. Donc, une phrase longue, une phrase courte, j'avais la nostalgie de la maison de ma mère. Parce que pour le coup, elle maîtrise un peu tout, hein. Elle n'est pas simplement forte au niveau des temps. Donc, je vous rappelle les crocs MC. C'était quoi les crocs MC? Clarté, richesse, originalité, couleur, musicalité et cohérence. Donc ça, c'est les qualités du style. Elle a toutes ces qualités du style. Et quand on s'intéresse au temps, à la maîtrise des temps, des différents temps dans le récit. Là, on touche à la clarté et à la richesse. On a du participe passé, de l'infinitif, eût été, c'est du plus que parfait du subjonctif. Alors, ça fait littéraire tout ça. Il y a des fois, on n'oserait plus maintenant écrire comme ça, mais c'est dommage. Évidemment que si notre narrateur, c'est un ado, suivant qui est le narrateur, il faut pas se restreindre. La littérature, c'est de la littérature. On a un langage un petit peu plus riche, un petit peu plus soutenu en littérature que dans la vie quotidienne.
Donc en fait, en une vingtaine de lignes, elle utilise 8 temps différents. Et c'est agréable à lire. Alors ça gêne pas, on lit ça, on enchaîne. Même des fois, on fait même pas gaffe. On lit, en fait, c'est un travail d'orfèvre, et puis on passe dessus sans faire attention. Alors quand on est un petit peu plus aguerri, parfois ça nous arrête presque parce qu'on se dit waouh, il y a de la maîtrise. On est occupé à manger. Ah oui, alors là, elle passe au présent. On se sent heureux. Mon père viendra après le repas jouer avec les enfants des concubines. Puis, le travail fini, les servantes s'asseoiront dans la cour sur les petits tabourets et bavarderont dans la pénombre. Ma mère, à la table, fait ses comptes avec la cuisinière en chef. Une haute chandelle rouge lance sur elle ses lueurs intermittentes. Oh, j'étais malade du désir d'être là-bas. En fait, elle rêve qu'elle est chez son père parce qu'elle se sent mal à l'aise avec. Au début, elle se sent mal à l'aise avec son mari parce que ça la perturbe trop. Il la considère comme son égale et elle peut pas, c'est trop pour elle. Toute son éducation, en fait, on lui a appris à être soumise et à servir son mari. Et lui, il veut vivre enfin, normalement pour nous. Et donc, ça la perturbe. Elle est dans un songe, donc elle passe au présent. On est occupé à manger, on se sent heureux. Mon père viendra, elle se projette. Elle se projette au futur et ensuite elle se projette. Je me promènerai au milieu des feuilles, j'examinerai les capsules de lotus. Là, elle passe au conditionnel. C'est déjà plus vague. On est moins sûr. C'est la saison car l'été tire à sa fin. Elle finit par du présent. Je fis de grands préparatifs car c'était la première visite que je recevais. Donc là, elle va recevoir en fait. Une amie de son mari, qui est une occidentale en fait. Je chargeai la servante d'acheter 6 différentes sortes de gâteaux. Je me vêtis de satin rose. J'avais honte de ma maison. Je craignais que madame lui ne la trouvât laide. Subjonctif. Super le subjonctif, faut pas hésiter. C'est de la littérature. Quand on écrit, franchement, il y a des fois, on se réfrène, on se dit, ah non, ça c'est trop littéraire. Mais bon. Ça va pas, on n'a pas le droit de se restreindre, il faut pas. Voilà. Et puis, faut aller chercher le lecteur, il faut pas en faire trop, mais faut pas non plus. Il faut pas hésiter à être littéraire. Ah oui, alors là, c'est un passage qui est sympa en fait. Donc, cette fille qui a vécu en Chine toute sa vie, qui ne connaît rien du monde à l'étranger, qui pense que la Chine c'est l'empire du milieu, elle pense même qu'il n'y a pas de civilisation ancienne en dehors de la Chine. Et donc, elle se fait une image des étrangers comme des barbares en quelque sorte. Et donc là, elle va chez un occidental, un ami de son mari. Et donc, il y a ce passage. Elle termine même par: je dois avouer que lorsque nous fûmes enfin arrivés devant la porte de la maison, je me serais enfui sans la présence de mon mari. Elle n'a pas du tout envie de le rencontrer. Ok, je vous laisse lire, c'est sympa. Voilà, c'est un bouquin qui est tout empreint de sagesse en fait. Il y a des réflexions sur l'autre, sur l'étranger, sur les relations familiales. Ça fait relativiser en fait notre place dans la culture. On a l'impression, chacun dans chaque pays, on a l'impression qu'on est la culture qu'il faut avoir. Et donc, alors là, elle le rencontre, ce fameux étranger. Et il m'a fait penser à Ron, parce qu'il est roux en fait, et donc ça m'a fait penser à Ron. La porte s'ouvrit brusquement de l'intérieur et un grand diable étranger se tint devant nous avec un sourire à travers toute sa laide figure. Je reconnus que c'était un homme, à ce qu'il portait des vêtements semblables à ceux de mon mari. Mais, à ma grande horreur, au lieu d'avoir des cheveux humains noirs et plats, comme ceux de tout le monde, son crâne était recouvert d'une laine rouge mousseuse. Ses yeux ressemblaient à des cailloux lavés par la mer. Là, moi, j'aurais mis à de banals cailloux lavés par la mer, parce qu'elle veut dire en fait qu'ils sont pas beaux, ses yeux.
et son nez s'élevait en montagne au milieu de son visage. Oh, c'était un être affreux à voir, plus hideux que le dieu du Nord à l'entrée des temples. Mon mari est brave. Il ne parut pas le moins du monde troublé à la vue de cet homme et lui tendit la main. L'étranger la serra et la secoua de haut en bas. Donc au final, sur ces quelques passages, en fait, elle aura utilisé, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 temps. 11 temps différents. Donc c'est assez riche, c'est sympa. Alors, elle a utilisé le présent lorsqu'elle était dans un songe, en fait. Personnellement, j'utilise le présent quand il y a de l'action. Le temps du récit, pour moi, il est au passé. Mais quand il y a un petit peu d'action, paf, je passe au présent pour donner un peu de peps. Je ne fais pas tout le temps, hein, mais des fois. Quail. Oui, madame. Nous avons fini. Quand ce jeune homme se réveillera, il devra être transféré dans le service du docteur Wang pour les soins post-opératoires. Je vous fais sa fiche. Ça, c'est un passage de l'étrange mystère de la femme sans tête. Parce que il y a des Chinois dans le roman, et il y a une scène ou deux qui se passent en Chine. Et donc, je voulais rendre... C'était un petit hommage à Pearl Buck, parce que j'ai adoré ce bouquin. Et donc, Quay, c'est... Ça vient de là. Et Wang aussi, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Wang dans le roman. Bon, on a fait le tour. Pas de chinois dans mon hasard. Pourquoi j'ai fait ça? Tuto écriture, l'utilisation de... Ah oui, c'est la vignette. Pas de chinois dans mon hasard, c'est un des chapitres de l'étrange mystère. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Plongez-vous dans l'utilisation des temps. N'hésitez pas à mettre du subjonctif. Vous êtes des écrivains maintenant que vous suivez ces tutos. Donc, utilisez du subjonctif avec parcimonie. Hein. Parce que quand même. Bon, allez, bis à tous. Ciao. Oui, je voulais dire qu'il eût fallu que vous fussiez content que je fisse cette vidéo pour que vous mettiez un pouce. Ça, par exemple, on peut l'écrire. Allez, ciao.